Noël plus. Avec son s'il vous plaît, pour la Gauloise, la Guadeloupe, ce qu'on leur chante là. Applaudissements pour le numéro 1, Loiret Louis, numéro 2, Gérard Fabien, numéro 3, Casimir Stéphenson, numéro 4, Malika Sébastien, numéro 5, Alexis Gabriel, numéro 6, bonsoir à tous, nous sommes au stade de municipal. Edmar Lama, c'est à Rémy-Montjoly en Guyane, 1400 places. Eh bien, c'est ici, théâtre de la 4e édition de la Coupe Vive. 4 équipes qui vont tenter de s'imposer dans cette compétition de prestige. La Gauloise de Basse-Terre, qui a sorti, souvenez-vous, la solidarité scolaire. Eh bien, qui sera opposée tout simplement au Golden Lion. Le Golden Lion, une équipe que connaît très bien cette équipe de la Gauloise, puisqu'en 2018, ces deux équipes s'étaient rencontrées. Et qui c'est qui avait remporté la finale? Eh bien, ce sont tout simplement ces joueurs de la Martinique que vous voyez qui sont habillés tout de rouge vêtus, alors que les Bastériens de la Gauloise, eh bien, avec leur tenue habituelle, à savoir le vert. Patrice Casalis avec moi, merci. Bonsoir Patrice. On a eu l'occasion de travailler ensemble. En 2018, justement, c'était pour la finale interrégionale de la Coupe. C'était à ce moment-là la mutuelle Margaillard. Et effectivement, ces deux formations s'étaient rencontrées et une victoire à la clé pour l'équipe du Golden Lion. Alors, bonsoir à tous les auditeurs de Canal 6. Je te remercie, Richard, de me faire le plaisir de vous retrouver ensemble. Oui, on a été déjà en 2018 sur cette coupe qui était Mutuelle Margaillard. D'ailleurs, on félicite la Mutuelle Vive, qui est maintenant la Coupe Vive, de faire perpétuer cette compétition entre nos régions de la Caraïbe et qui nous permet de retrouver ces oppositions. C'est toujours un plaisir, on se retrouve là et j'espère que les couleurs guadeloupéennes qui sont le vert de la Gauloise, on est habituellement en vert et rouge, le vert de la Gauloise va faire plaisir. Au peuple guadeloupéen et à tous nos téléspectateurs de Canal 10. Oui, c'est vrai, Patrice. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les joueurs du Golden Lion, qui sont arrivés le 18, donc ils ont eu quand même une journée de préparation. Et là, quant aux Bastériens de la Gauloise, aucune préparation manifestement. On dirait qu'un jour de récupération et un jour de préparation supplémentaire aurait été un gros plus pour nous, qu'on aurait vraiment apprécié. Maintenant, on est au moment du match et à ce moment précis, la priorité, c'est vraiment sur le côté, le travail qu'on a eu à faire, c'est justement motivé pour pallier à ce manque de préparation qui peut être gênant et qui va peut-être être gênant, mais on espère qu'on va quand même passer outre tout cela. Oui, avec une particularité, c'est la première fois, je tiens à le dire, que je vois ça dans le football caribéen, je dirais même le football de chez nous, peut-être même ailleurs, c'est de voir qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? Simplement, c'est le banc des remplaçants ou la cabine des remplaçants. Le banc de touche est complètement à l'opposé. C'est très rare, extrêmement rare. Mais je pense qu'à toute chose, on peut trouver un bon côté. Et je pense que je pense que les staffs là-bas, ils auront plus de facilité à se faire entendre des joueurs, alors qu'ils n'auront pas la tribune et les supporters. Quand il y a beaucoup de monde, ça peut être bruyant et on peut avoir du mal à se faire entendre. Dans ce sens-là, ils sont vraiment tout près du terrain et ils sont en direct avec leurs joueurs. Voilà, et il faut dire que l'engagement reste à l'appréciation des joueurs de la Gauloise, manifestement. Absolument, oui. Voilà, alors une équipe de la Gauloise qui se présente dans la compétition suivante, Louis Loiret. Attention au coup d'envoi imminent de cette rencontre et qui va mettre aux prises d'ici quelques instants ces deux formations, à savoir la Gauloise, évidemment, et le Golden Lion, l'arbitre qui vérifie si tout le monde est en place. Donner le coup d'envoi. Oui, donc voilà, le coup d'envoi très très imminent, ce coup d'envoi. Et voilà, c'est parti pour 90 minutes entre ces deux formations. La Gauloise, je rappelle, tout de vert vêtu. Et puis en face, il y a l'équipe de Golden Lion qui est désormais champion, il faut dire, champion de la Martinique, puisqu'elle a sorti. Elle a sorti donc le club franciscain qui était donné largement favori. Mais finalement, ce sont
les joueurs du Golden Lion, champions, je le répète, de la Martinique. Rencontre qui vient tout juste de débuter entre ces deux formations. Et on va suivre à la lettre, je dirais, la prestation de ce joueur qui porte ce numéro 7, à savoir Steven Davidas, l'un des meilleurs buteurs faits de notre championnat Guadeloupe. Steven Davidas, oui. C'est un joueur très talentueux et qui peut faire des choses vraiment très intéressantes. On va voir ce que ça peut donner sur une opposition d'un niveau, on va dire, un peu différent. Oui, bien sûr. Je vais juste me rapprocher du président, donc, à savoir M. Casimir, qui va juste venir à côté de moi. M. Guy Casimir, merci de nous faire l'honneur de répondre à nos différentes questions. Je rappelle que vous êtes donc le président donc, de la Mutuelle Magaillard et que vous êtes avec nous, vous êtes là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la Coupe Vive, il faut quand même le dire. Oui, je ne suis pas. Bonsoir à tous. Oui. Je ne suis pas présent en tant que président de la MMG. Ben oui. Je suis bien, comment dirais-je, vice-président du groupe Vive et que je représente le président Stéphane Junique qui n'a pu se rendre à la Guyane. Oui, alors, que vaut votre présence véritablement ici ? Ben notre présence, à part notre participation financière, nous devons être présents afin d'encourager la jeunesse antillo-guyanaise, parce qu'à travers notre participation, c'est ce que nous visons. Oui, et une compétition, il faut le dire, que vous tenez absolument à pérenniser. Qui plus est, puisque vous faites rentrer également les filles là-dedans, hein, je crois. Oui, effectivement, la Ligue anti-foot m'a sollicité en me demandant si je pouvais intervenir auprès du groupe Vive afin que la Coupe Vive féminine puisse voir le jour, ce que je n'ai pas tardé à faire et que nous avons obtenu. Oui. D'ailleurs, le président Stéphane Junique lui-même, lors d'une rencontre en Guadeloupe le 10 mars de cette année, l'a annoncé lui-même cette décision du groupe Vive de participer au niveau pour les filles. Président, c'est très intéressant les informations que vous nous distillez là en ce moment. On reviendra avec vous d'ici quelques instants. On retourne justement dans le match avec vous, Patrice, puisque c'est vrai, il faut dire que l'entame est super intéressante. Il n'y a pas eu véritablement de temps de mort, il n'y a pas eu de ronde d'observation, puisque les deux équipes se sont huées, en quelque sorte, se sont jetées un petit peu dans la bataille, un peu à corps perdu. Oui, les deux équipes ont déjà commencé à déployer ce qu'ils savent très bien faire, toutes les deux, c'est-à-dire un jeu construit, un jeu... C'est pas un football du roi football, c'est un football qui se construit de derrière, qui essaie de... Voilà. Et je pense que dans ce sens-là, je pense aussi grâce à un terrain qui est un peu gras, qui permet qu'il y ait un très bon terrain. Est-ce qu'un terrain comme ça, est-ce qu'il peut avoir... Il permet, le ballon roule, oui, mais d'accord. Il est un peu gras. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, j'espère qu'il ne va pas s'abîmer trop, mais c'est un bon terrain. C'est une pelouse qui est agréable. Pour jouer au football. Et qui n'a pas été très utilisé durant ces derniers temps, il faut le dire. Heureusement. Protégé en quelque sorte bien pour cette manifestation. Le ballon qui est dans les pieds de Golden Lion, avec précisément celui qui porte ce numéro 14, Grolet. Non loin de lui, eh bien, il y a qui ? Eh bien, il y a Alvin. Alvin aux prises avec la défense, que va-t-il faire ? Il conserve toujours le monopole du ballon, peut-être pas pour longtemps, puisque Davidas, il est là, il récupère. Ballon pour les Bastériens de la Gauloise, avec Davidas, là maintenant, qui va tenter de trouver quelqu'un en profondeur, sans doute. Pas tout à fait. Oh, ça, c'est bien joué. Et que dit l'arbitre ? Alors, un mot concernant le trio arbitral, puisque c'est Noël Luxon, c'est lui qui est au centre du terrain, lequel est assisté de Aubert Sébastien. Oh là ! Aubert Sébastien et de Jérémy Djanet. Voilà pour le trio arbitral. Et puis, il y a un quatrième arbitre qui a pour nom Yannick Bonnet. Et puis, la déléguée de terrain, c'est Miranda Sylvana. Elle fait dire qu'il pleut un petit peu sur cette pelouse du stade. Donc, attention à ce ballon-là maintenant. Ballon toujours. Pour Golden Lion, ballon perdu à la réception. Oui, à la réception. Oui. Allons, Pougues. Et ballon qui arrive justement dans la surface de réparation
non loin de la surface de réparation de l'équipe adverse, autrement dit le Golden Lion. Alors on est très très prudent, il faut dire, en début de cette rencontre. Ça s'est ralenti, on a quand même l'impression que ça s'est ralenti sur le... On va moins de l'avant et on va plus construire intelligemment le jeu et ressortir proprement. Oh, et les deux équipes essaient de le faire. Ouais. On a vu une belle accélération tout à l'heure de Steven Navidas qui a été intercepté au niveau de la défense. Absolument. Et si, faute sur Mutusami. Et c'est précisément le jeune Fabien Gérant. Très jeune joueur d'ailleurs. 18 ans, ça, depuis l'année dernière, depuis qu'il avait ses 17 ans, il était dans l'équipe de la Gauloise. D'accord, beaucoup de qualité d'ailleurs chez ce joueur. Ouais. De l'autre côté, pareil, un petit qui a même pas 18 ans, l'autre latéral, Sébastien Maniga, 17 ans. Ça c'est un ballon qui est parti en profondeur et à la réception, Mélian Gilles, le portier du Golden Lion. Et on essaie de repartir justement avec la défense de cette équipe du Golden Lion. On voit qu'il ne balance pas le jeu, on voit qu'il balance pas le ballon, il le sort. Et c'est propre. C'est deux équipes qui vont essayer de sortir proprement le ballon pendant le match. La machine, attention. Attention à ce ballon-là qui peut être dangereux. Ouh là 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 là. Ouh, bonne première frappe. Contrée. Oui. Et à la réception là, toujours la défense de cette équipe du Golden Lion. Avec précisément ce joueur qui a pour nom Charlotton. Il repart. Et à la réception, toujours ces joueurs du Golden Lion qui couvrent énormément de terrain, qui occupent l'espace. Oui, ça c'est un ballon un petit peu parti en profondeur. Là c'est une faute en faveur normalement. Ah tiens, faute en faveur du Zeldar de Golden Lion. Chris Manuel Petit qui a essayé de jouer et qui a touché le défenseur. Oui. Oui, quasiment 8 minutes, justement, ici. Et le score, toujours de 0-0. Le capitaine, maintenant, qui récupère. Le capitaine de cette équipe de Golden Lion, John Noël, qui trouve un partenaire. D'ailleurs, le ballon qui lui revient, ce capitaine, exemplaire dans cette équipe du Golden Lion. C'est par lui que passent pratiquement toutes les balles. Ballon qui est donné directement à Mélien Gilles, qui relance un petit peu la mécanique directement sur Michalet. Attention, il faut chercher un partenaire dans cette affaire et de trouver le partenaire idéal. Ballon toujours pour la Gauloise. Et attention, il est parti. À la réception. Eh bien, il s'agit donc de Saliné. Ça ou plutôt Saline. Dommage que le ballon soit un peu trop appuyé parce que l'appel était bon et voilà. Non, c'est intéressant pour l'instant ce que je vois. Bon, pourquoi? Parce que bon, il n'y a pas de déchets. C'est du jeu construit. Construit. C'est pas. Ce sont deux équipes qui ne font pas du roi football, donc ça va être ça et. Voilà. Ils vont attendre la faille, ils vont attendre de trouver un espace, un décalage pour permettre de jouer de l'avant. Oh là, ballon toujours. Bien conservé, belle conservation de balles. Transité sur qui là, le ballon bien sur Romarin. Ben on va assister au premier corner de la partie. Sur une petite hésitation du défenseur. Oui. Ouais.
et un corner précisément. Et ce corner qui sera joué eh bien, par qui ? Par coureur qui est allé pour frapper ce ballon côté droit. Et ballon bien soulevé, attention. Ouh là là là, ballon bien soulevé. Dégagé par Stevenson. Ouais, Casemiro. Stevenson, ouais. Attention. Ouais, attention. Davidas, il faut qu'il a. Oh là, il lui faut un soutien. Et il permute énormément. Hein. Ça, j'ai remarqué une chose. Tout à l'heure, il était côté gauche. Je parle de Steven Davidas. Il a maintenant l'état à droite. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. Ouais. Un joueur qui a de la qualité technique, un pouvoir d'accélération qui, voilà, qui lui permet d'être décisif souvent. Absolument. Attention, ça se ballon là maintenant. Derrière, il faut trouver quelqu'un là maintenant directement sur qui. Fabien Gérand. Voilà, Fabien Gérand. Qui centre, un bon ballon. Très beau centre. Oh là là. Si on avait suivi. Oui, oui. Oui. On constate que les équipes passent hein, régulièrement sur les ailes et essaient de construire sur les ailes pour centrer. Ouais. C'est un football qui se veut construit des deux côtés. Des deux côtés, voilà. Facilement. Barthélémy, si on revient derrière, avec un ballon qui part, qui est contré. Oupa. Alors, il faut chercher quelqu'un justement pour trouver derrière là, qui c'est. Eh bien, tout simplement, c'est. Là, c'est Alexis Gabriel qui fait une grande transversale de l'autre côté pour Chris Manuel Petit. Ouais, ouais. Beau contrôle dans la surface. Ouais. Bah, le contré. Oh là, là 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 là, c'est dommage. Il a été contré. Oui. Bien défendu. Mmh. Numéro 2 qui a bien défendu sur l'avancante. L'avancante justement de la Gauloise. Chris Manuel Petit. Et on repart. Du côté du Golden Lion. Je pense quand même que les deux équipes craignent un peu le schéma tactique l'un de l'autre et sont toutes les deux dans une situation un peu d'attente et oui, pour voir les failles et découvrir les failles. Et... Oui, ce qu'on peut dire, au début on disait qu'il n'y avait pas tellement de rondes d'observation, c'est peut-être vrai, mais effectivement... Ils ont ralenti après le jeu. Voilà. Voilà. Et là maintenant, ils essaient de trouver, de comprendre le système de jeu mis en place par chacune des formations, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et après, bon, ben, ça va s'accélérer, ça c'est sûr. Ben, alors, pour l'instant, je regarde, consulte mon chronomètre, 14 minutes de jeu dans cette rencontre et que le score est toujours de 0-0. Le score est toujours de 0-0, mais je pense que ça va bouger. Je pense que dans les minutes qui suivent, certainement avant la mi-temps, il y aura quelque chose de... une ou deux actions parce qu'on est toujours dans du football construit. Regardez, et... c'est beau ça. Ça, c'est beau. Steven Davidas qui va faire une passe et c'est Fabien Gérand qui donne... Oh, que c'était bien. Superbe fait. Frappe de Moutoussami. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, sans être chauvin, loin de là, l'action par elle-même, elle était très belle. Très, très belle. Ouais. Ah oui, bien très, très, très belle. C'est deux équipes qui vont construire le jeu, donc on risque d'avoir de belles actions et le terrain le permet toujours. Donc, oula, Davidas. Attention à Davidas. Ça non. Oh, quelle action! Il a joué, c'est passé un peu au-dessus. Quelle action pour cette équipe de la Gauloise. Sur le centre de Davidas, Espagnol Petit a... raté, c'est dommage. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Il n'a pas réussi à cadrer, mais c'était vraiment une action bien construite. Ouais. Il a bien repris, mais le ballon est légèrement monté. Oh, voilà. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Dommage pour cette équipe donc, de la Gauloise. Superbe action. Il ne faut pas louper des occasions comme ça parce que ce n'est pas toujours facile d'en créer. Voilà. Bon jeu de corps de Fabien Gérand. Voilà, saluons aussi l'arrivée de Robert Danglade qui va commenter avec nous eh bien, cette rencontre. Disons quasiment toutes les rencontres de cette quatrième édition de la Coupe Vive. Alors bonsoir Robert.
Bonsoir, ravi que vous soyez avec nous ce soir. Non, c'est tout un plaisir pour moi. Bonsoir à toutes les dames qui suivent le match en direct. Alors, c'est un grand nom que vous entendez, chers amis téléspectateurs, que vous entendez, que vous avez eu l'occasion d'entendre souvent dans le foot guyanais, puisqu'il a été à un moment, à une période, ben, le sélectionneur de cette équipe de Yana Doko. Voilà. Et qui, pour l'instant, eh bien, revient un petit peu à ses amours. Oui, avec l'US Matoury toujours. L'US Matoury. Alors, une première analyse concernant justement cette rencontre. Attention, oh là 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 là. Oui, bien fait. Alors, un premier regard, Robert, concernant d'ailleurs cette rencontre. Une première analyse. Ben, je regarde que pour l'instant, l'équipe de Guadeloupe tient la dragée haute à l'équipe de la Martinique. Oh là là. Qui, pendant l'interview de hier, ben, disait qu'ils étaient venus remporter le tournoi qu'ils n'ont pas encore remporté en Guyane. Donc, pour le moment, la Guadeloupe tient la dragée haute. Donc, le match a l'air très intéressant et très intense. Alors, au sol, pour l'instant, eh bien, c'est donc qui là ? C'est Motusami, Lunji Motusami, qui a été dépossédé de son ballon. Et résultat, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne un coup franc qui sera certainement joué par le capitaine de cette formation, à savoir Steven Casimir. Et c'est peut-être là une situation intéressante, Patrice, pour cette équipe de la Gauloise. Oui, ça peut donner une occasion intéressante sur une tête. Je pense qu'ils ne vont pas jouer direct, hein, ils vont centrer. Mais pour l'instant, toujours, le kiné vient d'intervenir pour Luigi Mutusami. Voilà. On est rassuré, ce n'est pas bien grave. Et qu'il peut reprendre la partie. Voilà. Oui, très bien. Un joueur très important pour dans le dispositif justement de Dominique Mouka. Oui. Dans notre chronomètre, déjà combien de minutes, le temps que je regarde, eh bien, quasiment 17 minutes. 17. Hein, 17 minutes de jeu. Et le score, 0-0. Alors on va suivre avec beaucoup d'attention ce coup franc. Alex de Mathieu Bourgeois. Oui. Hors jeu. Ah oui, au jus. Son dernier match. Alors, le Golden Lion lui non plus n'a pas réussi à gagner. Alors, on repart avec le Golden Lion. Et on revient dans la défense de la Gauloise en essayant de trouver pourquoi pas sur le côté droit. Ce joueur, à savoir Fabien Gérant. Le côté gauche, précisément, Fabien Gérant. Steven Davidas. Précisément. Stevenson Casimir. Casimir, voilà. Oula. Oui. Il avait poussé trop loin. Une opportunité de l'autre côté, mais il a fait ce choix. On craignait un peu, Robert, justement, l'état de la pelouse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'en haut, déjà, quand je suis arrivé, j'ai vu que la pelouse avait été coupée il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai demandé au gardien qui a l'habitude d'être là. Ils m'ont dit qu'ils ont coupé la pelouse jeudi et il pleuvait. Donc, malheureusement, pluie plus gazon ne fait pas bon ménage. Donc, et on voit bien qu'il y a des traces de la machine sur le terrain. Et je pense que s'il continue à pleuvoir, ça peut abîmer la pelouse petit à petit. On voit bien que même sur les passes au sol, le ballon a du mal à bien arriver. Ouais. Oh là, attention. Oula. Et ce qu'on disait aussi, on disait que lorsqu'il commence à pleuvoir ici en Guyane, eh bien c'est quasiment tous les jours. Hein. C'est tous les jours, il ne s'arrête pas. Mais bon, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le temps était clément. Malheureusement, bon, il commence à pleuvoir à l'heure du match. Mais bon, je suis en train de regarder le ciel. Bon, il y a quelques nuages gris, mais bon, je ne pense pas que la pluie va peut-être tomber pendant toute la soirée. Oui, parfait. Ballon qui se trouve dans le centre du centre du terrain. Toujours au bénéfice les joueurs de Golden Lion. Attention à Parsemin qui n'est pas loin. Et on repart toujours côté droit. Et bien pour cette équipe de la Gauloise, avec cette longue balle devant, mais personne. Si ce n'est que le portier guyanais qui récupère ce ballon avec Gilles Mélien, Barthélémy, Charloton pour qui ?
Alors Staline, le capitaine récupère pour l'instant, qui n'est autre que Noël, John Noël. Il ne faut pas laisser trop d'espace. Attention, parce que ça progresse. Oh là là. Oh là là. Ah, il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Ça aurait pu être dangereux. Oui. Mais le rebond, il y a eu un léger rebond qui a un peu gêné. Oui. La qualité de la pelouse a fait que le ballon n'est pas arrivé dans de bonnes conditions, malheureusement. Ouais. Malheureusement, en tout cas, pour le Golden Lion. Et heureusement pour, heureusement pour la Gauloise. Alors, Parsemain, c'est le maître à jouer, il faut le dire. Le maître à jouer dans cette équipe de Golden Lion. C'est un homme extrêmement, un joueur puissant, expérimenté et très dangereux, en tout cas, pour la défense de cette équipe de la Gauloise. Parsemain est quand même considéré comme un des joueurs qui est au-dessus, hein, au niveau du football martiniquais. Oui. Même Antillais, c'est un joueur qui aurait pu avoir un autre vécu footballistique. Voilà. Donc c'est une qualité pure. Ouais. Davidas. Bien défendu. Oui. La prise à deux est systématique, hein, avec Davidas. Ils ont... Bien. Alors là, ça c'est un bon coup franc. Bien. Oui, ça c'est un bon coup franc. Et je crois que c'est Casimir, certainement le capitaine, qui va jouer ce coup franc, mais auparavant. Ou Davidas. Il a une bonne qualité de buteur aussi. D'accord. Alors pour l'instant, au sol, eh bien, il y a donc Chris Manuel Petit qui a été chercher le ballon dans le pied des défenseurs. Du Golden Lion et qui a pu avoir la faute. Voilà. Attention, parce que là, excentré côté gauche, ce coup franc, et c'est vrai qu'il a une frappe puissante, ce joueur, Davidas, et certainement qui va chercher l'un des coins de but de Mélien Gilles. C'est sûr. Il va peut-être enrouler au-dessus. Oh, ça c'est pas mal fait. Ah. Mais... Oh non. Là, un tout petit peu. Ouais, ça a été mal négocié. Il a joué collectif, il voulait. Peut-être qu'il fallait prendre ses responsabilités là. Et je pose la question, pourquoi pas à Robert qui va nous dire qu'est-ce qu'il aurait dû faire par exemple. Je pense que déjà sur le positionnement du gardien de but, je pense qu'il aurait pu tenter sa chance directement. Voilà. Donc après, ils ont tenté peut-être une combinaison qu'ils ont l'habitude de faire à l'entraînement. Mais malheureusement, on a été mal négocié. Ouais, mal négocié, si bien que le ballon est sorti en sortie de but. Et avec ce ballon poussé très très loin devant, attention parce qu'il est encore là. C'est une combinaison qui se répète. Ouais. Hein, régulièrement, ils ont créé le décalage là sur l'aile. Et dans le dos de Sébastien, faudrait qu'on surveille ça, justement. Ouais. Hein, ils l'ont fait 2-3 fois déjà avec des centres. Ouais. La qualité du centre n'y était pas, mais il faut qu'on fasse attention à ça. Le Casimir. La touche pour le Golden Lion. Alors, à notre chronomètre, 24 minutes de jeu, effectivement. Et le score, toujours 0-0. Bien. Ah oui, c'est bien fait. Ouh là là là, ça c'est un coup franc. Un coup franc. Ah oui. Là, il y a carton jaune quand même. Là, il va sortir. C'est sûr qu'il va sortir le carton, hein, parce que... Mais non. Ah, il y a jaune, mais connaissant notre arbitre Noël, c'est très très rare qu'il sorte des cartons. Ça vaut un carton parce que le joueur pouvait partir au but et ça aurait pu être une occasion assez intéressante pour la Gauloise. Il s'est fait déposséder de son ballon à l'irrégulière, quoi, je dirais. Donc ce coup franc qui sera joué par... Luigi Mutusami. Ouais. Alors, il faut aller chercher la tête là, obligatoirement. Oui. On est d'accord, hein, Patrice. Oui. Il faut aller chercher la tête. D'accord, certes. Pas un tir direct, parce que le tir direct, finalement, le gardien a le temps de se positionner. Mais il faut mettre ça dans le paquet. S'il reste là et qu'il frappe au premier poteau fort, il peut l'avoir. Hein. Voilà.
Ah oui, faute, charge. Manque d'expérience. Oui. Bah ben oui, il ne faut pas mettre la main. Il repart. Voilà. On trouve, qui c'est ? Attention à ce joueur par semaine. Ça, c'est bien joué. Oui. Oh là. Oh, la combinaison, elle est belle du côté du Golden Lion. On sort le ballon proprement. Ouais. Toujours. Toujours. À la réception, là maintenant, c'est le capitaine. John Norrell. John Norrell à nouveau. Qui cherche justement un appui. Peut-être ben, qui revient sur l'un de ses partenaires juste à côté. Le capitaine encore à nouveau. Avec ce ballon maintenant qui est récupéré ben oui, par ce diable de joueur Wilfried Charlotton et qui préfère remettre directement son portier en repart. On est exactement au niveau du rond central. Ballon pour le Golden Lion toujours, le capitaine. Attention. Belle sortie, en tout cas, de Louis Loiret. Sortie autoritaire. Autoritaire, et puis qui a beaucoup progressé ce joueur, hein, ce gardien. C'est un très bon jeune. Ouais. Il a de l'écoute, il a beaucoup d'écoute. Il est très concentré. C'est un joueur qui a une marge de progression intéressante. Ouais. Il avait arrêté un moment pour le côté études et il a repris et il a retrouvé un niveau intéressant. Ouais. Et on repart. Oh non, c'est pas bon. Ah. Zéro zéro, toujours entre ces deux formations. Ouais. Attention, parce qu'il va frapper. Il va frapper. Oh là 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 là. Faut monter, faut monter. Oh là 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 là. Contrée. Bien. Ah, là, il ne faut pas envoyer le ballon n'importe où, il faut chercher quelqu'un. Mal donné, c'est dommage. Il récupère. Allez, là, il faut y aller. Là, c'est intéressant. Oui, il faut lui donner le ballon. Il n'est pas au jeu. Il va aller au but. Oh, non, qu'est-ce qu'il a cherché pour moi ? Le petit filet alors qu'il avait la possibilité. En retrait. Oui, Likenzi Labile qui avait la possibilité de jouer un retrait pour l'un de ses partenaires. Eh bien, il a frappé en puissance et le ballon a trouvé tout simplement le petit filet. Ce sera du mal, ils auront du mal à trouver une telle occasion. Hein. Ouais. Et ce qui va profiter certainement, eh bien, à l'équipe adverse. Ouais, par sa main qui a déjà est revenu créer le danger dans la défense adverse. Mais c'est vrai que dans une situation comme ça, le centre en retrait est la situation la plus évidente. Ouais. Mais la frappe au premier poteau est toujours une surprise pour le gardien. Ah, c'est vrai, une véritable surprise. S'il réussit à cadrer, vu que le gardien s'attend un peu au centre, ça peut être une solution, mais c'est un choix individuel qui n'a pas été le bon choix. Sélectionneur Robert. Ben, généralement, quand le coach a l'habitude de dire... On va sur ce corner d'abord, côté droit, côté gauche précisément pour l'équipe adverse, pour le Golden Lion. Attention, parce que ça peut être dangereux ce corner avec un ballon qui sera récupéré. Oh là 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 là, récupéré par qui ? Eh bien, touche pour la Gaule. Oui. C'est une touche pour le Golden Lion. Oui, alors l'analyse. Généralement, quand un coach dit à un attaquant de prendre sa chance, quand l'attaquant doit prendre la chance, il doit au moins cadrer. Et là, malheureusement, il n'a même pas cadré. Sa frappe a été directement dehors. Or que la meilleure des solutions... C'est dû à quoi selon vous ? Non, c'était... Je pense que, bon, généralement, les attaquants, des fois, quand ils prennent leur chance, bon... C'est soit manque de lucidité, parce qu'avec une meilleure lucidité, il aurait pu fixer et donner en retrait à son partenaire qui venait juste de lui donner le ballon. Ouais, d'accord. Ouais. Attention, maintenant ils vont repartir. C'est pas bon, attention les gars. Et la touche. Pour la Gauloise. Et pour la jouer, eh bien Fabien Gérand, directement sur son capitaine. Alors j'ai envie de dire quelque chose, Richard, c'est que on a déjà eu deux ou trois opportunités qui auraient pu être payantes. Oui.
et qu'il ne va pas falloir vendanger comme ça beaucoup d'occasions parce que contre le Golden Lion, on ne va pas en avoir 10 000. Ah ben c'est ça. Il y a un moment où il faut les mettre. Ouais. Et quand on a l'opportunité, quand on a la possibilité de le faire, il faut y aller. Pour l'instant, on va dire que le jeu, le Golden Lion, souvent hein, le ballon, il le fait passer. Mais ouais. En termes d'occasion de but, la Gauloise a eu des occasions très franches. Mm-hmm. Et s'il y avait deux buts, ça ne serait pas une surprise. Quoi. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut dire encore, puisque pour l'avoir vu jouer à plusieurs reprises, cette équipe de Golden Lion, attention, parce que là, c'est une belle action. Une belle action. Ballon soulevé. Corner. Enfin, ballon soulevé, le drapeau qui est soulevé pour signaler un hors-jeu de position. Une faute. Ah, ouais. Alors. Quand il a centré, je crois. Effectivement. Oui. D'accord. Non, ce que je disais, c'est pas évident. Connaissant cette équipe, pour l'avoir vu jouer à plusieurs reprises, cette équipe du Golden Lion, eh bien, deuxième période, en deuxième mi-temps, certainement, ils vont venir avec une autre ambition, un autre jeu qui sera beaucoup plus forcé, plus prononcé. Et là, ils vont peut-être poser des problèmes aux Bastiliens de la Gauloise. Et la chance qu'ils pourront avoir, c'est qu'ils auront le meilleur côté du terrain. Et oui. Ça peut avoir son avantage. Ce côté du terrain permet de jouer. C'est peut-être pas pour rien que la Gauloise a eu aussi autant d'occasions. Il y a la volonté de construire, mais le terrain permet de mieux construire. Voilà. Après, il y a son avantage pour attaquer. Mais c'est vrai qu'après, pour défendre, ça sera plus compliqué parce que le terrain sera plus gras de l'autre côté. Ouais. On suit un petit peu cette action puisqu'il s'agit d'un coup franc. Et ballon qui est soulevé, corner à nouveau pour la Gauloise. Et on va voir ce que ça va donner, en tout cas pour les Bastériens de la Gauloise qui voudraient, pourquoi pas, retourner au vestiaire, en tout cas avec cet avantage d'un but, si possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Corner de Luigi. Luigi, non. Côté droit. Non, Proto. Ouais, c'est pas mal. Et balle qui sort en touche. Pas de fioriture. Bon dégagement de défenseur. Oui. Faut savoir le faire. C'est l'un des points sur lesquels on a été des fois défaillant cette année-ci. Quand il faut dégager, il faut dégager. Et on repart. Oh, c'est pas mal. C'est bien joué. Attention, parce que là, finalement, le ballon est déjà sur qui, là ? Eh bien, sur Lamazine, Alvin. Attention ! Oh là 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 là, voilà le battu du score, mon Dieu. Oh, bien. Oh, ça c'est bien fait. Casimir Stevenson qui fait un super retour. Oh là là. Capitaine exemplaire, eh bien, qui empêche justement un coureur d'ouvrir la marque alors qu'il était à deux doigts, franchement, à deux doigts de marquer ce but qui pourrait être libérateur. Mais finalement, c'est un corner que vont bénéficier ces joueurs du Golden Lion. Mais attention, parce qu'on sent qu'ils montent en puissance, ces joueurs martiniquais. L'enchaînement contrôle-frappe du joueur a été trop lent et je pense que ça a gêné. C'est bien ça. Sur son contrôle, il a tardé avant de frapper, qui a permis le retour du défenseur. Alors, ballon soulevé. Attention. Oui, voilà, c'est Val. Ballon qui est sorti. Alors, pour l'instant, la défense tient un petit peu, la défense de la Gauloise, mais attention parce que avec des actions à répétition comme ça, ça peut leur jouer un très mauvais tour et peut-être leur porter préjudice. Ballon toujours pour le Golden Lion. On cherche qui, là ? Ben, il a voulu trouver coureur. Il faut sortir ce ballon. Alors, le capitaine du Golden Lion. Ouais. Et c'est un coup franc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, eh bien, Parsemet tente de se faire oublier. C'est sa spécialité, ça. Mais oui. Voilà. Ouais.
Attention, attention. Belle sortie. Ah, ça se multiplie les actions. À l'approche des buts donc de Louis Larré. Attention. Le Golden Lion à quoi à nouveau? Bien, Louis. Alors 35 minutes déjà et que le score toujours 0-0 entre ces deux formations. Mais attention à ce joueur qui sort, qui est parti hors jeu, ce joueur du Golden Lion. Alors on observe quand même qu'il y a le jeu a eu tendance à s'étirer. Oui. On a un peu une défense qui est un peu plus basse par là, un peu plus basse par là. Et on a plus des lignes défensives avec un ou deux attaquants et un milieu de terrain un peu plus dégarni. Donc je pense qu'il va y avoir des espaces qui vont être créés. Est-ce que c'est une bonne stratégie, c'est, Robert c'est... Bah, généralement, les coachs ne nous demandent pas à étirer les lignes autant. Ça s'étire. Donc après, c'est le fait de jeu du match qui font que les défenses s'étirent. Et c'est vrai que ça peut laisser des espaces pour l'une ou l'autre équipe. Ouais, d'accord. Et plus on est en place tactiquement, mieux on l'utilise. Et le Golden Lion a un bon positionnement tactique. La Gauloise a eu aussi un bon positionnement tactique, mais ça sera au premier qui va laisser un décalage ou bien utiliser un décalage qui a été créé. Alors, corner à nouveau pour le Golden Lion. Côté gauche, toujours pour cette équipe martiniquaise, avec un ballon bien parti en tout cas, mais qui va sortir là en sortie de but et qui va permettre à Loiret de pouvoir dégager. Et par la même occasion, passer de respirer un peu. Hein. Oui, mais c'est un corner sur lequel il fallait peut-être intervenir parce qu'il est passé, il est tombé à 4 mètres du but. Hein. Oui, c'est ça. C'est un ballon qu'on doit jouer quelque part. Ouais. On doit le jouer, ce ballon. Stevenson Casemiro, que va-t-il faire pour Girand. Quel calme encore qui anime, qui habite ce deux. Qui anime en quelque sorte ce joueur bastérien, à savoir Casemiro. Oui. Très bon joueur. Joueur. Qui ne s'énerve jamais. Le capitaine du Golden Lion pour son portier. Et on repart à nouveau. On va chercher encore à nouveau le capitaine Norel. Que va-t-il faire, Johan? Voilà. Latéralement pour l'un de ses partenaires. Ouais, attention. Non, ça va sortir. Alors, le temps, 38 minutes de jeu dans cette rencontre. Et un 0-0 pointé, toujours à la recherche d'un petit but libérateur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, ça s'est bien fait encore de la part de Golden Lion. Alors 0-0 pointé, mais pas au nombre d'occasions. Ouais. C'est vrai que c'est un match qui est quand même agréable à voir. Oui, oui. Alors, je rappelle à nos amis téléspectateurs que cette équipe du Golden Lion, attention, oh là 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 là. En 2017, avait sorti quelle équipe en finale? C'était l'USBM. Donc, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Et alors que les Bastiliens de la Gauloise, c'est leur deuxième participation, ouais. Patrice. Voilà. J'ai eu l'impression que c'est le joueur qui avait poussé le ballon, mais j'ai vu qu'il y a corner. Bon. Ça a été contré. Ouais. Ouais. Alors, il faut dire que, attention à ce corner. Oula. Oula, ça s'est bien joué. C'est bien fait. Attention, faute. Et la prise à deux. Non, tactiquement, C'est joli, c'est quand même un jeu intelligent, c'est attrayant. Ouais, attention, ça peut bien petit. Ouais. Une compétition qui a souri à la Guyane une seule fois
C'était le, avec le gel d'Arbre de Kourou, ouais. On se rappelle. Et puis c'était en 2019, je crois. Oui, c'est ça, en 2019. Et puis, une seule équipe guadeloupéenne a eu l'occasion de remporter cette compétition 2014-2016, à trois reprises d'ailleurs, 2014-2016 et 2021, le CSM, le club sportif moulien. Et une compétition qui existe depuis 2004, il faut quand même le préciser, toujours, toujours remportée par les équipes martiniquaises, avec notamment le club franciscain à moins de, pas moins de six reprises. Et ça, c'est, il faut quand même le préciser. Dernière en date, c'était l'année dernière, justement. Ouais. Voilà, pour le club franciscain. On a quand même l'impression que là, les deux équipes vont attendre un peu... voilà, la fin du match. La première mi-temps, ouais. Parce que tactiquement, il y a des, repositionnements à faire. Et je pense que voilà, aucune équipe va réellement se livrer à ce moment-là, et, sauf s'il y a une défaillance voilà. Défensive. Et on approche de la 42e minute de jeu, donc. Toujours 0-0. De deux côtés, on voit, hein, les relances sont, on fait tourner. On, oui. Voilà. Louis, oula, Louis. Attention. Mais on touche petit. Shoot sur lui. Ah, que se passe-t-il? Quelle erreur. Oh là là là. Oula. Là. Ouais. Ça aurait pu être embêtant. Hein. Oui, hein, oui, hein. Oui. Il a hésité entre alors, le dégagement et. Oui. Ben, vous savez, messieurs, nous sommes à la 42e. Beaucoup de choses peuvent se passer. Attention, parce que 42e minute. Une petite erreur défensive bastérienne. Eh bien, c'est quoi? Ça va être le but pour cette équipe du Golden Lion. Et psychologiquement, ben, ça va peut-être jouer un très mauvais tour au bastérien de la Gauloise. Bien, Luigi. Ah, ouais. Bien taclé pour récupérer. Attention. Oh là là. Toujours pour cette équipe du Golden Lion. Donc, ce ballon qui va peut-être centrer. Voilà. La prise à deux encore. Et intervention donc, du référé central, Noël Luxor. Et qui donne ce ballon au Bastérien de la Gauloise. 43 minutes de jeu, quasiment la 44e. Peut-être qu'il y aura quelques secondes ou peut-être une petite minute de temps supplémentaire. Pour l'instant, on se contente simplement de regarder notre chronomètre. Le capitaine. Casimir Stevenson qui lance pour ouais, mais c'est trop poussé, Fabien c'est Gérant, poussé, mais c'est un peu trop long. Oui. Robert, c'est quand même propre, hein, ce que nous assistons comme jeu. Oui, c'est un beau match. Après, je trouve que c'est dommage que la Gauloise n'essaie pas de passer sur la gauche parce que depuis tout à l'heure, je fais canaliser la défense du Golden et le latéral gauche a tendance à être très porté vers l'avant. Et quand on regarde les deux actions dangereuses que la Gauloise a eues, c'était sur le côté gauche. Oui, c'est vrai. C'est vrai, 45 minutes presque. Et que fait-il, M. Luxor, qui regarde ce chronomètre? Il va siffler d'ici quelques instants la fin de cette première période. Avec ce long ballon devant et qui va sortir, qui n'est pas sorti en touche. Attention. Oh là. Ouais. Et sur Gérant, hein? Non, c'est pas Gérant. Qui c'est qui est au non, sol? Non, c'est Moutoussami qui a été touché. Ouais. Oh là. Alors, je me pose la question, enfin, en tout cas, il est le maître du terrain, Robert, mais il y a des actions qui méritent quand même un petit le whistle jaune de temps en temps, quand même. Hein.
y a des actions qui méritent le carton jaune pour les deux équipes. Après, malheureusement, c'est que comme tout à l'heure là, il y avait une faute de la Martinique, il s'est dit on va compenser pour ne pas donner, malheureusement. Après, pour tenir, je pense, les acteurs, il faudrait peut-être de temps en temps donner un carton jaune. Exactement. Pour pas que le jeu devienne un peu plus brutal. Pour corser, voilà. Oui, surtout que c'est un match qui se déroule dans un esprit quand même très correct. C'est vrai. Et peut-être qu'à un moment, sanctionner pour tenir un peu les équipes et faire descendre les contacts comme ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Oui. Alors, justement, il est un petit peu mal quand même. C'est un guerrier. Oui. C'est un guerrier. Bon, ça va être la fin, ça c'est sûr, puisqu'il regarde sans arrêt son chrono. Monsieur Noël Luxor, il va siffler certainement la fin de cette première période qui verra les deux formations. Eh bien, et voilà. Donc c'est la fin de cette première période, un petit 0-0. Analyse, messieurs, très rapidement, Robert. Un bon 0-0 dans l'ensemble. Et je pense que les équipes ne vont peut-être pas trop se livrer au début de la deuxième mi-temps, parce qu'en fait, ils penseront gagner le match vers la fin du match, en fait, je pense. Patrice ? Je pense que l'équipe qui va pouvoir s'en sortir le mieux, ça va être l'équipe qui saura rester patiente, qui saura continuer à construire le jeu et qui va pas paniquer et qui va pas essayer d'aller vite. Voilà. Ouais. Je te passe le président de la Gauloise. Alors, président, justement, un petit mot très rapide concernant Najira, président Najira. Un petit mot très rapide concernant déjà la prestation de votre formation ce soir. Ben, bonsoir à tous. Déjà, je trouve qu'on est bien en place. Ouais. Défensivement, on a concédé quand même deux occasions. Mais globalement, je trouve que l'équipe est en place et je suis confiant pour la seconde mi-temps. En fait, en clair, vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs pour l'heure? Oui, pour l'instant, oui. Je trouve qu'on donne ce qu'on a et on mouille le maillot et on fait les efforts qu'il faut. Je vois un groupe solidaire, uni. Donc voilà. Voilà, c'est parfait. Merci en tout cas. Merci. Oui, en tout cas, merci messieurs, merci en tout cas. On va se retrouver d'ici quelques instants pour la deuxième mi-temps, en vous rappelant le score ici en Martinique, 0-0 entre la Gauloise de Basse-Terre et le Golden Lion. Dans quelques instants, on se retrouve, à tout de suite. Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Attention pour le coup de droit. En retour sous le stade Edvard Lama, pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre la Gauloise et le Golden Lion. Au terme de la première période, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité de 0-0. Quelle va être l'issue finale de cette rencontre? C'est la grande question, messieurs, que l'on se pose, tant il est vrai qu'il y a tellement de prudence au sein de ces deux formations, beaucoup de précision et bien malin qui pourrait trouver le vainqueur de cette rencontre ce soir. Bien malin, comme vous dites, parce que là, c'est indécis pour le moment. Les deux équipes sont bien en place. Il y a eu très peu d'occasions de part des autres. Donc après, on verra si le terrain et la pelouse donnera raison à ce que j'ai dit en première mi-temps. Parce que là, le Golden joue du côté de la meilleure pelouse. Donc ils pourront peut-être mieux développer leur football. Ils bénéficient peut-être de l'issue finale de cette rencontre. Patrice. Oui, bon. Tout en sachant que vous êtes allé aux nouvelles tout à l'heure. Oui, mais bon, ce sont des repositionnements tactiques qui se font et sur des
en notion d'engagement, de couverture, de trajectoire sur les ailes, notamment les ballons dans les dos, dans le dos de la des défenses. Mais voilà, c'est des petites corrections de coach. Et puis surtout, sur l'attitude aussi, peut-être, je pense que on joue un match pour l'instant et c'est une demi-finale qu'on va jouer. C'est vrai. Donc, voilà. Donc on joue un match où on est joli, mais c'est une demi-finale qu'on doit jouer. Oh là 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 là. Ouh, l'eau. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Eh bien, pour cette équipe de Golden Lions, il faut dire que l'action par elle-même, elle était superbe. Et puis cette frappe, très 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 belle frappe de ce joueur, frappé de son numéro 11. Et ce joueur, ma foi, qui a pour nom, eh bien oui, oh là 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 là, que c'était bien fait de la part de ce joueur, à savoir Lamazine Alvin, d'une frappe pure et puissante, et qui est allé directement dans le côté gauche, début gardé par Luloiré. Et ça s'est passé quasiment à la deuxième minute de jeu, dans la deuxième période, 1-0 pour le Golden Lion, Patrice. Oui, il a très bien joué le coup, il est venu et peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment attaqué, on l'a peut-être laissé trop jouer. Maintenant, il a la qualité qu'il a, hein, c'est un joueur c'est l'un des très bons joueurs du Golden Lion et il a fait jouer sa qualité et il a mis la belle frappe vraiment roulée au ras du poteau. Ouais, voilà. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, messieurs, c'est en deuxième période que cette équipe-là va certainement développer son jeu parce qu'on sait, en deuxième mi-temps, ils sont très, très, très dangereux et ils viennent le prouver. Ils commencent toujours bien le deuxième mi-temps. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, Patrice. Et ça, et maintenant, il appartient au Bassérien de la Gauloise d'aller chercher l'égalisation, comme c'est le cas. Et l'arbitre, est-ce qu'il donne une faute? Non, pas vraiment. Pas de faute sur Chris Manuel, petit. Et le ballon qui va être récupéré par le portier Myriam Gilles, en profondeur, qui lance très rapidement à destination donc d'Evan Saline. Mais finalement, c'est un ballon qui sort en touche. Alors, à l'entame de cette deuxième période, pas de changement notable à signaler. Ce sont quasiment les mêmes joueurs qui ont évolué au cours de la première période. Peut-être qu'il y aura sûrement des changements qui vont s'opérer d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, pour l'heure... Les joueurs de la Gauloise qui se chauffent. Ouais, ben oui, ça c'est clair. Il y aura du changement. Et on repart justement avec la Gauloise. Il faut aller chercher ce but égalisateur, hein, ça c'est clair. Il faut être patient là, je pense. Il faut surtout être patient, jouer le football qu'on sait jouer, qui nous a permis d'avoir trois occasions qu'on aurait pu concrétiser. Comme c'est le cas ici. Et voilà, et marquer sur l'une des occasions, c'est aussi simple que ça. Oui, oui, voilà. Davidas va provoquer. Ouais. Ouais, mais... Ah. Oh, trop loin, trop loin. Non, il faut le faire confiance à ce joueur Davidas, hein, parce que il s'est souvent trouvé dans des situations extrêmement difficiles et qu'il parvient à revenir au score. Car c'est un guerrier, je le sais. Mais face au Golden Lion, est-ce que ce sera le cas? Alors, ballon toujours pour le Golden Lion. On n'est pas loin de la surface de réparation, ou plutôt du rond central. Et c'est un coup franc au bénéfice des rouges. On repart du côté de la Gauloise. Oh là. Oh là. Que dit l'arbitre? Ouais. Alors quand on est mené comme ça, Robert, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Mais malheureusement, les coachs disent toujours de ne pas prendre de but dans les premières 15 premières minutes. Et là, c'est toujours compliqué de prendre un but dans les deux premières minutes. Donc là, maintenant, il faudra prendre le temps, ne pas se précipiter parce qu'il reste du temps. Il reste du temps et il faut être patient. Donc après, je pense qu'ils auront des occasions. Donc après, je pense que maintenant... le Golden Lion va sûrement jouer peut-être en contre, vu qu'il mène. Ouais. Donc, et attendre le but. Oh là 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 là.
Alors il faut être patient surtout, mais patient et prudent et puis surtout être correct aussi dans le jeu même déployé par cette équipe, de ne pas jouer n'importe comment, de ne pas balancer les balles n'importe comment. Il y a aussi un moment où l'arbitre doit prendre ses responsabilités. Oui, mais c'est parce clair, que c'est là, clair, c'est clair. Ça fait 4 ou 5 tampons comme ça. Et aucun carton jaune, ça c'est terrible. Donc, c'est terrible. Sur un terrain gras comme ça, ça commence à faire mal avec les minutes de jeu. Voilà. On ne va pas tirer trop sur l'ambulance, Robert, vous le connaissez très bien cet arbitre-là. Il a du mal peut-être à sortir le carton jaune, non? Ben, en fait, c'est un arbitre généralement qui n'a pas trop... Parce que c'est un arbitre guyanais. Voilà, il ne donne pas trop les cartons, sauf si le joueur commence à le chauffer. Mais le problème qui peut se poser, c'est que les joueurs, psychologiquement, ça peut jouer dans leur tête après. Parce que, tu es mené, deux, l'arbitre ne siffle pas en ta faveur. Et malheureusement, après, tu peux jouer différemment. Oh non! Là, il est signalé hors-jeu. Il est signalé hors-jeu. Mais quelle action encore à mettre à l'actif de ce joueur numéro 7, Steven Davidas, qui aurait pu, à mon avis, continuer. On peut le supposer, Robert. Je pense qu'ils auraient dû prendre sa chance, surtout que la pelouse, elle est humide. Quand on a vu que sur le premier but du Golden Lion, le joueur a été tout seul, je pensais qu'il pouvait même décaler sur le côté un partenaire libre, et pourtant il a pris sa chance et ça a été petit filet, donc là faudrait tenter leur chance. Le temps, 8 minutes de jeu en deuxième période, autrement dit 53 minutes sur l'ensemble de la partie, 1-0 pour le Golden Lion, but marqué évidemment par Lassine, par Alvin Lamassine. Encore un ballon en profondeur. Ah, il fait son match, Lamazine. Hein. Franchement, avec ce but marqué tout en début de la seconde période, il est omniprésent dans cette rencontre. Revient encore au niveau de la défense. Le Golden Lion. Alain Mélière. Et on repart à nouveau. Mélière. Directement sur l'un de ses partenaires, à savoir Michalet. Michalet, que va-t-il faire? Il trouve son capitaine. Oh là 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 là. Attention, attention. Ouais. Relance de la main. Ouais, ballon demandé. Ouais, allez, il faut aller. Oh là là, l'attaque. Ouh là là là, moi je l'ai senti venir. Ce joueur puissant, à savoir Michalet. Et là, ça va être une touche pour la Gauloise. Alors, la touche avec Sébastien Mineja Maniga. Ouais. Ça joue bien. Regardez-moi ça. Ouais. Ballon toujours pour la Gauloise. Mais personne en profondeur, si ce n'est que la défense qui récupère, la défense de. Du Golden Lion précisément. Attention à ce ballon côté droit, au côté gauche. Et voilà l'égalisation. Égalisation. Oh là là. Et c'est monsieur Davidas Stevenson. Steven Davidas qui vient de marquer ce but et qui fait voir son numéro 7.
Ce qui veut dire, eh bien, c'est l'égalisation parfaite pour cette équipe donc de la Gauloise, marquée à la 56e minute de jeu, eh bien, par Sylvain Davidas. Donc, ce qui vous ramène les deux équipes à égalité, un partout, Robert. Super belle égalisation. Et on disait qu'il fallait qu'ils soient patients et ils sont restés patients. Et belle opportunité parce qu'en fait, le passeur qui était à angle fermé n'a pas tenté sa chance et a fait une belle talonnade qui a pu permettre à son coéquipier d'égaliser. La Gauloise qui respire un peu, hein, Patrice. Alors oui, la Gauloise, on va dire que la Gauloise respire un peu maintenant, même après le but. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé le jeu, ils ont continué à jouer. Et c'est ce que je disais, il faut être patient, construire. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, la talonnade qu'il fait, il aurait pu être s'affoler. Non, il a fait une talonnade parce qu'il voit son joueur derrière. On a su être patient, mais j'attire leur attention pour Attention pour ne pas aller hors-jeu là maintenant. Continuer, ne pas essayer d'aller trop vite. Voilà. Restez patient et continuez à construire. On a le potentiel pour le jeu. Il faut mettre plus d'agressivité. Non, mais là, c'est de la précipitation un petit peu là. Hein. C'est ça. On veut aller trop vite. Attention, alors, il faut gêner un petit peu le gardien. Voilà, oula. Exactement, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Et là, ça donne quoi? Ça donne tout simplement une touche pour la Gauloise. Alors qu'il y a un rouge au sol, un joueur du Golden Lion au sol. Mais Richard, je reste persuadé que cette équipe Golden Lion, qui est une très bonne équipe, on nous l'a donné comme une très bonne équipe. Mais on se rend compte maintenant là qu'on est sur deux équipes qui ont un niveau de jeu sensiblement identique. C'est vrai. Très belles équipes qui produisent du jeu et qui, je veux dire, si avec un peu de réussite en première mi-temps, la Gauloise menait 2-1 ou un truc comme ça, il n'y aurait pas à être surpris de ça. Ouais, donc on est sur le niveau, on est sur un bon niveau, on est sur du haut niveau et on réussit à répondre présent dans cela. Mais là, restez concentrés et patients. Et ce qui est sûr, c'est que ce que vous venez de dire, là, Patrice, c'est vrai. Et dès l'instant où il y a eu ce but égalisateur, on a constaté qu'il y a eu un changement, Robert, franchement, au niveau du jeu même de cette équipe de Golden Lion, en essayant, pourquoi pas, d'aller chercher ce deuxième but. Ben, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais... La Gauloise a très très bien réagi et là ils sont revenus au score, mais ils devraient peut-être continuer à rester patients parce que les occasions, ils ont vu qu'ils peuvent en avoir, et en restant patients et en faisant la bonne passe, parce que là pour le moment les deux équipes pour le moment la dernière passe est en manque et ça gâche la beauté du jeu malheureusement. Voilà. Le gros point fort quand même du Golden Lion, c'est quand même la qualité des deux pointes qui est devant les buts. Ils ont le sang froid, ils restent lucides. Et qu'ils vont vite. Et ils vont vite, mais c'est précis, c'est là qu'ils sont forts. Ouais. Donc il faut que la Gauloise reste concentrée, respectueux des consignes. Le coach a vraiment insisté sur ça à la mi-temps. Et rester concentré sur tous les ballons. Et surtout, ne pas essayer d'aller trop vite. Produire le jeu qu'on sait faire. Messieurs, je vous apprécie énormément pour votre analyse. Très précise, ça il faut dire. Et puisqu'en fait, vous reflétez la réalité. Donc, ce qui se passe sur ce terrain, dans le cadre de cette rencontre. Et avec un peu de lucidité. Oh là là. Oh là, ça c'est trop loin, trop poussé. Voilà. Bon, la prudence derrière. Mm-hmm. C'est du football, ils ne jettent pas le ballon devant. Exactement. Eric. Ils ont cette volonté. C'est fermé, on repère. Voilà. Maintenant, il faut avoir les qualités techniques pour te permettre de le faire. Voilà. Et on peut le faire. On peut le faire. On a un beau jeu là. Notamment des garçons comme Alors, Saint-Garin-Dévy est rentré tout à l'heure pour le Gildar, pour le Golden Lion. Dikendi Labil qui va faire un beau centre. Il faut aller chercher. Ouais.
La touche pour qui? La touche pour la Gauloise. Ouais, alors au sol, c'est donc Sébastien Maniga. Il se relève. Le plus jeune du match. Quel âge? 17 ans. Oh oui. Ballon qui lui revient. Oui, ça c'est bien fait. Panique pas. Alexis, oui, longue balle devant, ça c'est pas mal. Oh là, oh là, oh là, 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 attention à Parsemet, il va partir côté droit. Mais non, mais non, mais non, il n'y a pas de faute, il réclame une faute. Trop, trop poussé. Oui, très bien, très bien. Pour l'instant. Sur les dernières minutes, on a observé un peu une tentative de box-to-box des deux côtés. Les deux équipes essaient de faire le break, essaient de faire la différence. Et je pense qu'à un moment, il y aura du physique qui va jouer là. Oui. Le terrain est lourd. Ça va être l'équipe qui va gérer le mieux physiquement le match aussi. Oui, parce que n'oublions pas. De par les remplacements, de par tout ça. Oui, et puis Patrice, il faut dire aussi, on a eu l'occasion de le dire, que les Bastériens... Ben, vous n'avez pas eu de temps pour pouvoir vous entraîner, hein, puisque vous êtes arrivé hier, alors que le Golden Lion est arrivé la veille, c'est-à-dire le 18. Hein. Ni pour récupérer, oh là là, parce qu'on a joué le quart de finale mercredi. Oui, oui. Donc, contre l'Étoile, qui est une équipe très physique. Oui. Donc, il ne s'était pas... Et qui s'était soldé par une défaite pour vous. C'est ça. Voilà. Ballon toujours pour le Golden Lion avec Davida au Devi Singara qui trouve son capitaine. Johan Noël, le capitaine qui trouve son portier. Ouais. Devi Singara encore à nouveau et le ballon qui se rend tous. Rapidement joué. Je pense que c'est deux équipes qui maîtrisent totalement l'art de la gestion du temps fort et du temps faible. Exactement. Et on a vu chacun. Oh là 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 là. Le travail de ce joueur, bon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a été attaqué. Il a été bien. Oui, il a bien défendu. Bien défendu. Et puis, résultat, c'est tout simplement un corner. Un corner pour la Gauloise. Oh, que j'aimerais voir ce joueur, justement, dans notre sélection, hein, Patrice. Combien de fois que j'ai eu l'occasion de le dire. J'ai pas de commentaire à faire. Ouais, non. Avec un talent comme ça, avec un talent, là, je parle évidemment de Davidas, Steven Davidas. Combien de fois que j'ai eu l'occasion de le dire. Et pour moi, c'est une merveille de le voir évoluer alors qu'il commence à pleuvoir sur cette pelouse. C'est dommage, ça. Oui, ben ça va pas être intéressant pour les joueurs, hein, cette pluie. Hein. Ben, déjà que ça sera pas intéressant pour les joueurs, mais je crains pour le deuxième match derrière aussi que ça sera pas bon non plus, malheureusement. Mais bon, la pluie a l'air de se calmer. On récupère haut, c'est bien. Après. Mais on va trop vite devant. Oui, on va trop vite. Le temps, 20 minutes de jeu, autrement dit 65e sur l'ensemble de la partie, un but partout. Entre les deux formations. La bonne nouvelle, c'est que la pluie s'est recalmée, heureusement, oui. Parce que pour le deuxième match, il faut craindre. Il y a plein de gens qui priaient un peu dans le stade pour que la pluie cesse de tomber. Mais ça a peut-être porté ses fruits, hein, Aubert. Tout à fait. Pour la beauté du jeu, surtout. Il ne faudrait pas qu'il pleuve. Parce que c'est deux belles équipes qui s'affrontent et pour la beauté du jeu, il faudrait que le temps reste clément. Oh, que ça joue bien,
Bah, il a tenté de trouver Davidas de l'autre côté. Oh là là. Et c'est pas fini, bon Dieu. Ah, en tout cas, c'était bien parti. Très, très bien parti. Eh bien, de la part de ce joueur frappé de son numéro 3, je veux parler d'Evan Saliné. Et plutôt Saline. Et ce qui fait que le ballon eh bien, est sorti en corner au bénéfice de cette équipe de Golden Lion qu'on est côté gauche pour cette formation. Et attention parce que Parsemet, qui n'est pas loin là dans cette affaire. Voilà, alors, on réclame une faute, mais non, l'arbitre qui ne bronche pas. Sur l'action. Et Davidas. Ouais, il n'avait pas de soutien. Comme sur l'action du corner, il faut vraiment noter le tacle défensif de Sébastien Maniga, ouais. Parce que le ballon allait directement au deuxième poteau. C'est vrai. Et il s'est sacrifié et il a fait le geste défensif qu'il fallait. Mmh. Très bien. Ballon toujours pour le Golden Lion. On calme un petit peu le jeu dans cette défense avec notamment Singara Devi. Ils ont cette faculté d'être patients. Ouais, bien sûr. On sent que c'est dans la culture, dans le... Et dans le dernier quart d'heure, ça va chauffer, je vous assure, messieurs, ça va chauffer. C'est un jeu pratiqué par cette équipe de Golden Lion depuis des lustres. Surtout lorsque, par exemple, bon, l'équipe était à égalité. Ouais, mais non, il faut pas aller comme ça, c'est pas... Ouais. Mais c'est une faute. De Likenzi Labille. Très bien. Oula. Mais il faut chercher quelqu'un juste à côté. Voilà. Likenzi Labille. Non, c'est pas mal. Mais bon, mais c'était mal orienté. L'intention était bonne, mais mal orienté ce ballon. Et finalement, ce sont les Martiniquais du Golden Lion qui le ballon se trouve dans le rond central pour qui là directement sur qui eh bien sur Gouelé qui trouve l'un de ses partenaires. Mais attention parce qu'on progresse du côté du Golden Lion, on cherche la faille, le soutien peut-être va venir peut-être sur Parsemet qui attend ce ballon non loin. Voilà, ballon qu'il va récupérer Parsemet qui va donner un retrait. Effectivement, en retrait, eh bien, un de ses partenaires, mais attention parce que on change complètement de côté. Et il va mettre le ballon dans le paquet. Oh là là. Ah, ça, on réclame le penalty. Mais oui, l'arbitre qui ne bouche pas. Et c'est donc Coureur qui réclamait ce penalty. Oui, bien sûr. Très astucieux, Robert. Bah, il a tenté le pénalty, mais après, c'est assez risqué péril parce que dans le deux sens, l'arbitre peut siffler, tout comme l'arbitre peut lui donner un carton jaune aussi pour simulation. Et on repart. Oh là 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 là, ballon contré. Oui, ça c'est pas mal. Oh, ben oui, hors jeu. Alors, regardez la position de Davidas. Il est en position d'attaquant. Et là. Je pense qu'il devrait rester sur l'aile gauche. Oui, ben voilà. Parce qu'il a une maîtrise un peu de son latéral. Mm-hmm. Et de son flanc gauche. Ouais. Et il fait un peu ce qu'il veut. Enfin, voilà. Il a pris le dessus sur son. Il devrait le tuer, quoi. Il devrait le terminer. Il devrait l'achever. Un gros plan. Je vais demander à Charlie de me faire un gros plan sur ce joueur numéro 7 de la Gauloise. Ouais. Et on va procéder à un changement. Alors, qui c'est qui est sorti? C'est Likenzi, je crois.
Kenzi Labil. Et oui. Et remplacé Mathieu Bourgeois. Ah, Mathieu Bourgeois, remplacé voilà. Remplacé par Nicolas Ioris. Oui. Et... Alors ça, avec la rentrée de ce joueur... Et Kevin Menerville. Oui, ben voilà, deux joueurs qui vont certainement amener un plus dans cette ligne offensive de la Gauloise, qui en avait bien besoin. Dans la ligne offensive et surtout aussi dans le... dans la faculté de récupérer les ballons au milieu voilà. Aussi, parce que Kevin a cette faculté-là. Ouais. Et je pense que depuis un moment, on était un peu trop étiré et il y avait trop d'action qui passait là. La faute. Ouais. Voilà. Donc il va peut-être densifier devant le milieu de terrain. Mmh. Et Nicolas Ioris a ses qualités de joueur devant le but qui peut être décisif. Voilà. On va voir ça d'ici quelques instants après ce coup franc. Que par semaine va prendre. Ouais. Mais attention parce que. Il sait les prendre. Ah, il sait le faire. Ah, là, là. Même si c'est loin, c'est un coup franc lointain. Mais en plus, il est dans l'axe, hein, Robert. Il est dans l'axe et le vent souffle de ce côté-là. Ouais, donc, il peut avoir le vent pour lui. Ouais. 72e minute de jeu. Attention à cette frappe de ce monsieur. Ballon qui est parti en force et qui passe au-dessus de la transversale de Louis Loiret, heureusement en tout cas pour la Gauloise. Heureusement pour la Gauloise, oui. Jusqu'à maintenant, par semaine, c'est bien fait oublier. Oui. J'aime pas ça. Je préfère qu'on le voit. Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Et on repart justement pour la Gauloise. Qui revient sur lui. Attention, parce qu'il ne faut pas rigoler derrière, messieurs. Ouais. C'est un petit peu le calme là avec Gabriel Alexis. Ouais. Bonne protection de balle. Attention à ce ballon là avec Davidas. Davidas encore qui essaie de se faire oublier. Oh non! Ouh, alors faute en faveur du Golden Lion. Faute jugée. Par monsieur le référé central, Noël Luxon. 73e minute de jeu, un partout. C'est donc le score entre ces deux formations. D'un côté, le Golden Lion et de l'autre, la Gauloise de Basse-Terre. Très bon ballon encore. En profondeur, peut-être. Bien construit. Ouais, il faut jouer, il faut trouver quelqu'un. Oui. Oh là là. Très bien. Ah non, mais là. Oh, c'est bien fait. Attention, peut-être. Oh, au dernier moment. Ballon contré. Au dernier moment et qui n'est pas sorti. On croyait qu'il y avait le corner, mais non. Ah oui. Après une longue course comme ça, c'est difficile de ne pas s'enflammer, mais il s'est enflammé, il a peut-être... Ben c'est vrai, comme on dit, avec une longue course comme ça, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de lucidité. Bon, malheureusement, il aurait pu... Beau tac défensif. Voilà. Tisson a emmené toute la puissance physique qu'il peut emmener en traversant le terrain, et c'est très bien. C'est très bien. Attention à ce ballon-là maintenant. Toujours pour le Golden Lion. On est dans le rond central à la réception. C'est donc. Comment il s'appelle ce joueur? Ouais. Ouais. Eh oui. Ouais. Signalé hors jeu, dommage pour la Gauloise. La 75e minute de jeu dans cette rencontre. Les deux équipes sont à égalité, toujours un partout. Et on cherche le chaos d'un côté comme de l'autre avec peut-être une frappe lointaine. Balle qui est arrivée directement dans les pieds de... Oh là 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 là. Oh non! Bon alors, est-ce qu'il y aura le carton? Enfin,
Il va peut-être sortir le carton. Moi, je pense qu'il va peut-être sortir le carton. Je pense. Hein. Ah oui, ça va être le premier carton, hein, Robert. Pas trop tôt, 75e minute. Mais ouais, mais il l'a sorti quand même. Ouais, ouais, ouais. Oui, voilà. Bon, alors, évidemment, donc, Gabriel Alexis, qui a joué rapidement ce coup franc. Le capitaine, avec son calme absolu, progresse avec son ballon. Il va tenter de trouver... Oh, et ça, c'est bien fait. Encore. Attention, attention. Oui, là, là, ça... Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Projette-toi. Il ne faut pas qu'il aille trop loin parce qu'il va, il sera hors-jeu. Il sera hors-jeu, attention. Il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne. Oui, parce que... Il a tendance à aller en position, de se trouver en position d'hors-jeu. Et on repart avec la défense de Golden Lion. Avec cette blague qui part à destination. Ah oui, qui est sortie en touche. Qui était destinée à ce joueur-là. Qui était destinée à Alvin. Mais finalement, la touche. Changement. Un nouveau changement. Golden Lion de Martinique. La sortie du numéro 18. Tous vos applaudissements. Coureur Mathias pour la rentrée du numéro 10. Ah oui, coureur Mathias qui va quitter le terrain. Et remplacé par Thierry Arterine, Catherine, pardon. Thierry Catherine. Attention. Attention. Attention, 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 attention. Ballon toujours pour la Gauloise. On approche du rond central. Oui. Oh non, c'est mal dosé, mal dosé. Sorti. Et là, tout ça, ça va être pour la Gauloise. Ah bon? Pourquoi? Oui, il y avait une petite faute, semble-t-il. Mais un peu, mais il a sifflé un petit peu en retard quand même. Tout à fait, mais la faute, il avait laissé l'avantage, je pense. 79 minutes de jeu. Un partout, toujours entre ces deux formations avec ce ballon, toujours pour le Golden Lion. Il est passé, ce numéro 3. Oh, le poteau. Oh, la frappe. C'est le poteau. La frappe de Thierry Catherine qui a trouvé le poteau. Oh là 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 là. On a frôlé quasiment, messieurs. Et bien, ce deuxième but pour le Golden Lion. Oui, très 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 belle frappe, malheureusement qui prend le poteau, donc la Guadeloupe s'en sort bien. Ah là 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 là. Ah, c'était quasiment, à mon avis, la balle du match. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres actions. Oui, ben, il faut l'espérer, il faut l'espérer. Oui. Hein, il faut espérer, Patrice. Surtout parce que... Le jeu est agréable, le jeu est agréable. Alors je crois qu'il n'y a pas de prolongation. Non, voilà. Donc faut le signaler quand même. Il n'y a pas de prolongation. Si on n'a pas de prolongation, oula, hésitation. Si on n'a pas de prolongation, c'est penalty. C'est penalty direct. Ça serait dommage que deux belles équipes comme ça se séparent sur des prolongations, ben sur, oui, un penalty. Sur un penalty. Et voilà. Donc, regardez-moi ça. On va souhaiter qu'il y aura un ou deux buts. Voilà. Attention à cette action là maintenant.
Oui, Gouali. À la réception, très bien, de la part de Louis Larré. Ah, qui fait son match, hein, ce gardien. Hein. Ouais. Ah ouais. Il reste concentré. On change complètement de côté. Direction de Davidas. Oh, ça c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait encore? Non. Ah, c'est trop fort, trop fort. Trop poussé. Ah ouais. Alors, encore 8 minutes à jouer. Non, calme ton corps, par contre. Oh là là, là 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 là. Ouais. Alors, là, Davidas. Messieurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle était encore lumineuse. Attention, attention. Qu'est-ce qu'elle était bien dosée, le ballon de Davidas. Ouais. Franchement. Bien. Ouais. Belle frappe. Ouais. Alors, ballon Martefois qui sort et qui arrive directement dans les pieds donc de Alvin. Et on repart justement, toujours avec cette équipe de Golden Lion, non loin du rond central. Mais le ball poussé trop en profondeur, que dit l'arbitre? Une faute, il va peut-être sortir là encore le carton, est-ce qu'il va le faire? Bah justement pour qu'il y ait la parité, hein, parce qu'il a déjà sorti le carton une fois. Peut-être qu'il va le sortir une deuxième fois. Ouais, 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 il aurait pu. Hein. Voilà. Ah, ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Exactement. Mais il l'a sorti, là, déjà. Ah ben voilà, donc ça fait les deux cartons. Les deux cartons jaunes. Oui, alors, donc ce qui va se passer avec la Gauloise, là, maintenant, la sortie du numéro 10. Changement pour la Gauloise. Applaudissements pour la sortie du numéro 10. Alors, Kylian Poteau. Kylian Poteau qui va. Kylian et la rentrée du numéro 15, Bourgeois Matisse. Ah oui, Bourgeois Matisse va rentrer. Oui. D'accord. Matisse Bourgeois, qui est un joueur à vocation offensive. Hein. Oui. Et la sortie également donc de Likenzi Labil et qui c'est, le rem... qui et c'est Nicolas le... Nicolas Moka qui va rentrer pour la rentrée du numéro 14 Moka Nicolas. Voilà, c'est petit Chris Manuel qui est sorti. Ouais, Chris Manuel, ouais, pour Nicolas Moka. Voilà, le fils de Dominique. Oui, oui. Oula. Oh. Encore 5 minutes à jouer, messieurs, pour boucler en tout cas ce temps additionnel, ce temps qui nous est imparti en quelque sorte. Est-il besoin de rappeler à nos amis téléspectateurs qu'il n'y aura pas de prolongation? On passera directement au tir au but, au cas où les deux formations seraient à égalité, resteraient à égalité toujours un partout. Oh là là, là là, là là, là là. Oui, c'est bien fait. Là, c'est l'occasion. Mais non, mais... Ah, mais c'est quand même pas mal. Mais oui.
Ah, il fallait du jus hein, pour aller chercher ce ballon. Hein. Il fallait du jus. On note quand même que le coach Moka a fait un choix à quelques minutes d'aller chercher la victoire. Ouais, un choix judicieux peut-être. Il a mis un milieu offensif talentueux qui doit avoir 18 ans. Ouais. Et qui est. Rempli de jus, quoi. Et qui pourra récupérer 2-3 ballons et distiller. Mm-hmm. Et il a fait le choix de faire entrer Nicolas Moka qui est un joueur à vocation offensive. Et, comme et c'est le cas là maintenant, regardez-moi voilà. ça, c'est bien. Donc oh faudra, là, faute. Faudra, voilà. faudra pas tout se ruer à l'attaque et prendre trop de risques, ouais. mais il veut aller chercher la victoire. Et il a raison. Bien sûr. On nous a vendu le Golden Lion comme un ogre. Voilà, attention. Et il voit qu'il peut y aller. Ah, oh, ça c'est un corner, ça qu'on dit l'arbitre. Oui, corner. Au bénéfice de la Gauloise. Et corner côté droit. Et 87 minutes de jeu tout de même dans cette rencontre. Les deux équipes sont toujours à égalité partout. Est-ce que ce corner va modifier la tendance et va permettre aux Bassériens Mathis. De prendre justement l'avantage? On va voir ce ballon qui est bien soulevé. En tout cas, une tête peut-être, non, pour Vanidas. Oh, qui frappe. Et contré, et c'est pas fini en tout cas, et corner à nouveau pour cette équipe de la Gauloise. Les Bastériens qui se battent véritablement en la faveur de ces quelques minutes qui restent à jouer, 3 minutes seulement qui restent à jouer pour boucler cette rencontre. Un partout, c'est le score. Davidas qui va jouer lui-même ce corner côté gauche. Eh oui, il y a son capitaine qui est monté pour la circonstance, non, qui reste, préfère rester un petit peu en retrait. Voilà. Attention, parce que là, la contre-attaque, là, maintenant. Ah oui, il faut revenir, messieurs. Non, il ne passera pas. Voilà. Oh, très bien. Très, très, très bien fait. Ouais. Non, il ne faut pas aller. Il ne faut pas partir comme ça. Attention, parce que là, maintenant, c'est ton ballon perdu. Mais attention, messieurs, parce que ça va chauffer. Oh, peut-être le ballon. Voilà, deuxième but. Oh, passé juste à côté. À côté, début de Louis Loiré. Oh, qu'on a frôlé le deuxième but pour cette équipe donc de Golden Lion, juste à côté du piqué droit. Et rassurez-vous, eh bien, on a cru que c'était donc la victoire assez, quasi assurée pour le Golden Lion, mais ce n'est pas le cas, puisque cette balle est sortie de but. Mais quelle chance! On peut dire, Robert, pour cette équipe de la Gloise. Mais c'est surtout de la chance. Ouais. Mais je pense aussi que, malheureusement pour Parsemin, il n'a pas eu beaucoup de ballons pendant tout le match. Ouais. Et je pense que cette balle-là, qu'il devait négocier pour la mettre au fond, bah, malheureusement, pour son équipe, il n'a pas pu la concrétiser. Alors, messieurs, on dit très souvent, lorsque, par exemple, dans une rencontre avec une telle intensité... Le temps additionnel, c'est combien? 4 minutes de temps additionnel. Alors, en 4 minutes, c'est vrai, il peut se passer bien de choses. Mais si, alors je disais que justement, on dit très souvent, lorsqu'une équipe est malmenée comme ça, qui c'est qui a le gain du match? Eh bien, c'est cette équipe-là, quoi, malmenée. Ben, généralement, c'est ça. Mais aujourd'hui, bon, si ça va au tir au but, c'est la roulotte. Après, les gardiens... Oui, t'as même la roulotte russe. Hein. La roulotte russe, ça sera aux gardiens de faire leur taf et aux tireurs de ne pas rater. Ouais. Alors, Patrice. Robert et Richard, est-ce que vous avez déjà entendu parler des dieux du football? Oui. Il y a eu un poteau. Mais c'est ce que je vous dis, messieurs. Il y a eu une occasion importante qui aurait pu entrer. C'est peut-être ça. Ouais. Ouais. On verra. Ouais, oui. Bon, alors, en attendant... Il faut jouer quand même les 4 minutes de temps additionnel, messieurs. Avec cette balle-là maintenant, en sans doute en profondeur. On est trop bas. Ah, bon, d'accord. Là, ça fait 3 occasions ratées. Louis est bien sorti. Oui. Louis Loiré est très bien sorti. Ah là 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 là. 3 occasions ratées. La sortie du numéro 2. Marc Théry, rendez-vous pour la rentrée du numéro 12. Dernier changement opéré dans cette équipe donc du Golden Lion,
c'est Barthélémy Romario qui va sortir et lequel eh bien, va être remplacé par Samuel Mondros. Je crois que c'est un Brésilien. C'est le joker en quelque sorte de cette équipe. Attention. Oh là 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 là. Vas-y. Donne. Oui. Oh, bien. Va au but, petit. Bien. Corner. Et c'est contre le corner. Et c'est un corner. Ah, il y a faute. Oui. Alors, au sol, qui est au sol? Le 4, eh bien, notre 4, eh bien, c'est Maniga. Mais voilà. Maniga, Sébastien. C'est quand même dommage qu'on arrive sur des pénalités sur un match comme ça. Oui, c'est vrai. Mais on ne sait pas, hein, Patrice, parce qu'il reste encore. C'est paradoxal parce que quand on regarde là, après l'égalisation de la Gauloise, et, on a quand même eu l'impression que la Gauloise a repris le jeu. Oui. A eu la maîtrise du jeu, a eu des situations intéressantes, mais les deux actions de but, les trois actions de but ont été sur le Golden Lion qui a un peu subi et qui a joué sur des contres. Ben, on va voir ce que les dieux du football vont décider pour nous. Oui, c'est ça. Je crains qu'on aille au... Au tir au but. Ouais, au tir je au crains but. Ça. Alors, il se relève, le joueur, à savoir donc Sébastien Maniga. Et ça va repartir pour le Golden Lion. Avec cette balle qui va sortir, là. Un touche. Les tirs au but, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est tout sauf du hasard. Oui. C'est un geste technique... Que absolument. Les plus forts mentalement réussissent exactement. Mieux. Et c'est tout sauf du hasard. Bien sûr. C'est très psychologique avec ce ballon et là maintenant. C'est Titi qui et va peut-être là. Faire la différence. Voilà. Et. Le deuxième but. Le deuxième but. Monsieur Davidas. De la Gauloise. Monsieur Davidas. Sylvain Davidas qui permet à sa formation désormais de mener sur le score de 2-1. Bravo. En tout cas, ce joueur. Pétri de talent. Et oui, Sylvain Davidas. C'est vrai que c'est un joueur qui a des qualités. C'est le joueur qu'on appelle la mobilette. Voilà. Alors, regardez-moi les joueurs du Golden Lion qui ne comprennent absolument rien et qui restent debout sur le terrain. Steven. Puisqu'ils disent que ça ne va pas être Davidas. Possible de revenir à la marque. Franchement, chapeau à ce joueur, Davidas, qui marque. Le deuxième but pour sa formation, synonyme de qualification pour la finale, pour l'heure. Après, comme on dit cette heure-là, à force de rater, on s'expose. Et là, la défense s'est exposée et Davidas, très beau sang-froid pour marquer ce très beau but. Oui, pour non, moi, mais... c'est l'homme du match. Oui, l'homme du match. Hein. Attention, parce non, que là c'est pas fini. Là. C'est pas fini, messieurs, c'est pas fini. Regardez-moi ça. Il va aller chercher le penalty. Voilà, le ballon qui va être placé. Dans les 7,50 m pour permettre justement à Louis Larré de pouvoir dégager. Que de suspense dans cette rencontre. Franchement, on vit des moments palpitants de cette fin de rencontre qui verra pour l'heure, certainement, eh bien, cette équipe de la Gauloise s'imposer dans cette rencontre. Mais ce n'est pas encore le cas, messieurs, puisque là, les Bastériens, en tout cas les joueurs du Golden Lion, prouvent qu'ils ont des ressources énormes. Pour terminer cette rencontre, Patrice. Ben, ils vont pousser. Il ne reste qu'une solution, c'est de pousser. Je pense qu'il faut qu'on reste bien en place. Il faut qu'on ne panique pas. Il faut garder la maîtrise du jeu. Essayer de garder le ballon. Voilà. Et la touche, c'est pour la Gauloise. Voilà. Attention, la touche pour la Gauloise. Mais les 4 minutes alors, que fait-on de ces 4 minutes? Est-ce qu'ils ne sont pas encore entamés? Ils sont déjà entamés. Ah ben oui, largement entamés ces 4 minutes. Hein. On était dans les prolongations. Quand donc, on voilà. Et ce que je disais tout au long du match, c'était qu'il fallait surveiller le côté gauche. C'est là et que... voilà la fin de cette rencontre, messieurs. Qualification pour la Gauloise dans cette finale. Justement, dans cette finale de la Coupe Vive, 4e édition. On va aller justement aux interviews avec, pour prendre un petit peu la température de ces deux entraîneurs. Et on va voir un petit peu leur réaction.
d'ici quelques instants, Patrice. Richard, j'aimerais te dire quelque chose. J'ai été à la mi-temps dans le vestiaire de la Gauloise et le discours du coach a été un discours qui était hyper motivateur et qui a permis, je pense, à l'équipe de prendre conscience qu'ils sont vraiment pas loin de faire l'exploit. Et ils ont été le chercher. Et ils ont été chercher cette victoire et c'est extraordinaire. Je les félicite. Oui, franchement, félicitations. Alors que Robert va donc aux interviews. Robert va aller aux interviews rapidement pour prendre un petit peu la température des entraîneurs. Président, je vous ai vu tout au long de cette rencontre. Vous étiez concentré, c'est vrai. Tout le monde attendait cette rencontre et tout le monde espérait une victoire de cette formation de la Gauloise. Et c'est ce que la vie. Je m'adresse là, évidemment, alors, au président Darton, président de la Ligue européenne de football. J'avoue qu'après avoir discuté avec l'entraîneur Moka, après avoir échangé avec le président, je les ai sentis en confiance, ouais. Malgré les difficultés du club en ce moment, avec trois joueurs majeurs qui sont absents. Ce qu'il faut noter, c'est que j'ai senti une Gauloise conquérante, présente sur les balles et donner une bonne image du football guadeloupéen. Ce qui veut dire que cette année, on a eu un bon championnat. J'ai observé les équipes, notamment la fin des play-offs là. On a eu un football de bon niveau et la prestation de la Gauloise aujourd'hui reflète ceci. Ceci étant dit, je tiens à donner une note particulière à Davidas, joueur exceptionnel. Et je peux vous dire que à 40 mètres du but quand il reçoit le ballon, on sait que le ballon va aller dans les buts. Et quand on a des joueurs comme ça dans notre championnat, il mérite d'être valorisé. Et moi, en tant que président de la Ligue, je suis très très fier. Je ne manquerai pas de le féliciter, la Gauloise. Mais ceci étant dit, tout le travail reste à faire parce qu'il manque un match. Mais la Gauloise a fait une prestation maîtrisée. Alors que bien entendu on fait un cadeau à Golden sur le premier but, mais n'empêche le jeune joueur arrière gauche qui n'a que 18 ans a pu rester dans le match, a pu retrouver sa concentration. Et puis moi, vous comprenez mon passé dans le football, je ne peux que féliciter Dominique Moka pour le travail qu'il a fait à la Gauloise cette année. Voilà. Alors je vais justement, merci président en tout cas pour cette analyse, je vais voir avec Robert qui n'est pas très loin, qui attend évidemment l'un des entraîneurs de cette équipe, voilà, et qui va se rapprocher d'un des joueurs de la Gauloise, Robert Langade, qui va tenter d'avoir quelqu'un de cette équipe de la Gauloise pour les interviews. Voilà, alors qu'il y a un joueur qui s'approche, je crois que c'est Davidas. Bon, alors on attend, mais franchement, chapeau à cette équipe de la Gauloise qui décroche sa qualification pour la finale. Eh bien là, franchement, on est content, je crois, pour ces hommes entraînés par Dominique Moka et surtout le très très bon coaching de la part donc de Dominique Moka. Il a eu une vision exceptionnelle et surtout un changement payant dans les derniers instants de cette rencontre. Et le résultat, eh bien, on le connaît déjà. 2-1 pour cette formation de la Gauloise. Oui, parce qu'il faut dire que ce n'est pas évident, chers amis téléspectateurs, pour aller récupérer les joueurs qui sont de l'autre côté de la tribune. Vous voyez, nous sommes dans la tribune et il faut aller les chercher de l'autre côté. Donc c'est pas évident, il faut traverser quasiment tout le terrain. Et lui, Robert, ce qu'il fait, il attend à ce que les joueurs arrivent à son niveau pour pouvoir les intercepter et surtout pour que nous puissions avoir les interviews et surtout les premières impressions. Et certainement, ça va être avec Dominique Moka d'ici quelques instants qui arrive à son train habituel. Voilà. Voilà, alors il y a Dominique qui arrive tranquillement. On pourra quand même avoir son sentiment. C'est certainement l'homme le plus heureux. En tout cas, ce soir, on connaît le travail qu'il fait avec cette équipe de la Gauloise. Il faut aller le récupérer. Voilà.
avec le capitaine. Voilà, avec le Casimir. Casimir. Vu ton match. Attends. Ouais, maman, bouteille de l'eau. Oui, président. Oui, président. Oui, président. Attends, donne-moi 30 secondes. Excusez-moi. Je peux avoir une réaction. Donc là, nous sommes avec l'entraîneur du Golden Lion. Coach, juste une petite réaction par rapport à votre défaite de ce soir. Perdant les adhérents de jeu, mais bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour gagner le match. On les savait qu'ils avaient fatigués puisqu'ils avaient joué mercredi. On aurait dû faire beaucoup plus tourner le ballon. Je trouve qu'on s'est précipité. Et puis bon, on n'a pas été efficace dans les deux surfaces hein, puisqu'on a deux belles occasions, voire trois, qu'on ne met pas. Eux, ils ont deux, trois occasions. On s'en prend deux. Donc si on n'est pas efficace dans les deux surfaces, on ne peut pas gagner ces matchs. Sachant qu'il y avait une équipe en face qui s'est battue avec leurs armes, qui nous ont posé des problèmes. Je pense que techniquement, on était au-dessus. On aurait dû faire beaucoup plus courir le ballon, les déplacer plus. C'est ce que j'en avais demandé. Ça n'a pas été fait. Voilà, et après, bon, on a deux grosses situations qu'on ne met pas, et derrière, on est puni sur la dernière, sur une paire de balles plein axe. On le savait qu'ils étaient forts sur la transition. Hein, dès qu'ils récupéraient le ballon, ils allaient vite vers l'avant. Et ça, c'est ce qui s'est passé sur les deux pions qu'on prend. Donc, voilà. Juste une question, est-ce que l'état de la pelouse vous a embêté ? C'est pour les deux équipes, je ne vais pas chercher ça comme excuse. Moi, je pense non, puisque elle nous a embêté, ça a embêté tout le monde, parce que c'est vrai que la pelouse, elle n'est pas très, très belle, mais bon, ce n'est pas une excuse pour nous. C'est surtout que. On est tombé sur une équipe agressive dans le bon sens du terme parce qu'ils faisaient beaucoup de prises à deux, ils nous sortaient dessus. Ils nous ont beaucoup gênés. On a un peu su répondre à ça en première mi-temps en montant un peu plus haut sur eux. Et voilà, après quand on n'a pas 40 occasions dans ces matchs. Donc si on ne les met pas au fond, on a deux superbes occasions, on est seul face au gardien. On frappe deux fois à côté au-dessus. Et voilà. Et derrière, sur la dernière action, on est puni. C'est souvent ça qui se passe dans le foot, quand on n'arrive pas à marquer, à se détacher. On a eu beaucoup de cas comme ça cette saison où on n'arrivait pas à faire les différences, où on était maladroit devant le but. C'est-à-dire aujourd'hui, on l'a payé cash. D'habitude, ça passait. Aujourd'hui, ça l'a payé cash. Et je trouve que ce soir, malheureusement, vous n'avez pas pu trouver dans de bonnes conditions Parsemin, qui a eu quand même une grosse occasion en fin de match. Une fois, il frappe à côté. Après, Kevin revient de blessure. Je l'utilise beaucoup parce qu'on joue sur tous les tableaux en fin de saison. On était à notre 45 ou 46e match aujourd'hui de la saison. Et on a la chance de jouer sur tous les tableaux. On a encore une finale de coupe. On a le match lundi aussi qu'il faudra honorer. On a une finale de coupe de Martinique samedi prochain, donc il faut relever la tête et il faut aller chercher la coupe de Martinique la semaine prochaine. Merci coach. Bonne continuation. Hein, voilà, avec Dominique Boca, Robert justement, très rapidement Robert. Très rapidement. On n'a pas de retour. Attends, je l'appelle. Avec Dominique. Allez-y. Je vais faire le point de coach. Ça ne me dérange pas. Bon. Richard, il vient. On va se rapprocher justement de, pourquoi pas, de Dominique. Une belle victoire, coach. Boca, puisque visiblement, comme on disait là-haut, il a quelques soucis sur le côté gauche. Pour. On va se rapprocher de Dominique Boca. Voilà. Donc, on va se rapprocher. Vous savez que c'est un petit peu compliqué, mais tout cela, vous allez vivre ça en direct. L'entretien que j'aurai avec le coach de cette équipe de la Gauloise, Dominique Boca. Véritablement, l'homme qui a permis à sa formation de pouvoir s'imposer dans cette rencontre. Voilà. Alors, je vais essayer justement d'avoir un entretien avec Dominique Boca. Voilà. Dominique, franchement, c'est vrai que nous sommes tous contents. J'enlève en quelque part ma casquette de journaliste, mais le travail mis en place pour... permettre à cette équipe de la Gauloise de se qualifier pour la finale. C'est exceptionnel. Exceptionnel. On a bossé. C'est vrai que la fin de saison est plus compliquée sur le championnat au niveau de la Coupe. La Coupe de la Guadeloupe, la Coupe SEM, je dirais. Donc là, il fallait, il nous reste deux matchs. Il faut tout donner, il faut tout lâcher. Ça a été compliqué quand même. Ils ont deux ou trois occasions à la fin là qu'ils n'arrivent pas à mettre.
on arrive à mettre l'ultime, je dirais pratiquement dans les arrêts de jeu, la qualification pour la finale, mais bon, on n'a encore rien fait. C'est vrai que Golden, c'était quasiment, je dirais, le favori. Donc, à nous deux, bon, il va falloir voir les équipes guyanaises, je ne les connais pas trop, donc pour pouvoir... Franchement, Demikès, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour faire un tel changement payant, en quelque sorte, aux derniers instants de cette rencontre? Ben oui, bon, les joueurs, ils étaient fatigués. On a joué mercredi aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y avait de la place, parce que, bon, ils jouaient, ils étaient assez hauts. On a des jeunes, malheureusement, bon, c'est comme je l'ai dit, un peu de coup de déchets. Je pense qu'on aurait pu courir bien avant également si on arrivait à faire la dernière passe correctement. Mais bon, la qualification, elle est là, tant mieux pour nous. Merci en tout cas. Steven, tu viens avec moi là. Viens avec moi là, Steven. Bon, alors, toi, véritablement... Ben, on a dit que c'est toi l'homme du match. Hein, mais tu m'as demandé deux buts à l'aéroport. Alors je t'ai rendu service. Je t'ai rendu service. D'accord. Alors franchement, on a vu tout ce que tu as fait. Tu as été polyvalent. À un moment donné, tu t'es trouvé sur le côté droit. Ouais. Ensuite, tu es passé à gauche. Pourquoi autant de changements, tu sentais véritablement le match ou quoi? De toute façon, il fallait que j'essaie un peu partout. Même en Guadeloupe, j'essaie de changer un peu partout pour déséquilibrer un peu l'équipe, pour qu'ils puissent réfléchir aussi. Ah, il est passé par là, On ne sait pas laquelle des deux équipes guyanaises va s'imposer ce soir, sera opposée à Troyes, en tout cas pour la finale. Mais comment tu vois justement cette ultime rencontre? Ah, alors là, je ne sais pas. Je ne me suis jamais intéressé au foot guyanais, donc je n'ai aucune idée. Ouais, donc que le meilleur gagne et puis on se verra lundi, hein, comme on dit. On se verra lundi. Merci infiniment, merci. Mais en tout cas, sachez que hier, je me suis réveillé à 1h en pensant qu'il était déjà 7h parce que j'avais déjà trop envie de jouer. Ensuite, j'ai repris le sommeil, je me suis réveillé à 5h du matin, j'ai pas dormi jusqu'à maintenant parce que j'avais trop envie de jouer. D'accord. Et j'ai dit à ma mère, et ça c'est pour mon père, hein, qui me regarde, et j'ai dit à mes potes, mes proches, que ce soir j'allais faire un gros match et j'ai fait un petit cadeau sur le deuxième but. C'est comme dit Joli Jérôme, c'est du total régal. Et toute la Guadeloupe te regarde, hein? La caméra là-bas, toute la Guadeloupe te regarde. La Guadeloupe c'est déjà. Merci encore. Nous ensemble, qu'on nous a dit. Merci en tout cas. Ben voilà. Je cherche Robert, on sait qu'il est Robert, qui est un petit peu loin. Mais en tout cas, chers amis téléspectateurs, je suppose que vous avez assisté à une très belle rencontre, une belle qualification, en tout cas pour cette équipe de la Gauloise. Le deuxième match, ce sera d'ici quelques instants. On va revenir à vous. À tout de suite.